Déjà tu pries bien. Déjà tu pries bien. Déjà tu pries bien. Ça me tient tellement à cœur que j'ai oublié même le micro. Je viens prêcher, j'ai oublié le micro. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête. Ah, ça c'est une grande fête. Ah, la fête de la parole. Merci au Seigneur pour le 28 février. Aksanti kwa Bwana kwa ajili ya tarehe ya 28 mwezi wa pili. Un jour dans le message de William Branham. Siku kubwa mujumbe ya William Branham. Ouais. Ndio. C'est le jour que tous les saints depuis Adam attendaient. Ni siku ile watakatifu wote tangu Adam walikuwa naongojea. Parce que tous leur espoir c'était le livre de la rédemption. Wani tumaini yabo yote ilikuwa kana ile kitabu ya ukombozi. Ainsi que Dieu vous bénisse ce soir. Hivi Mungu amibariki jioni ya leo. Nous allons d'abord prendre la Bible. Kwanza tutachukua Biblia. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Tuko mkitabu kia Mwanzo sura yake ya pili. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Hivi kamalizikwa mbinguni na dunia na majeshi yao yote. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Mungu alimalizaka kusiku ya saba kazi yake ile alifanyaka. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Akatulia siku ya saba kwa kazi yake yote. Dieu bénit le septième jour. Mungu akabariki le siku ya saba. Il les sanctifia. Akatakasa ile siku. Parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Wani musiku ile alitulia kwa ajili ya matendo zake zote zile alifanyaka mkuiumba. Voici les origines des cieux et la terre quand tu les firent créer. Tazameni matokeo ya mbingu na dunia wakati biliumbiwaka. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Wakati wa milele Mungu alifanyaka budongo na mbinguni. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Hata mti moja ya shamba ilikuwa bado haijakuwa pa budongo. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Na hata liani moja ya shamba ilikuwa haijachipuka. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Wani wa milele Mungu alikuwa sijanyeshesha mvula pa budongo. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Na pa budongo hapokuwaka mtu kwa ajili ya kulima ile udongo. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Kwa lakini moshi moja ilikuwa ikinyuka pa budongo. Et arrosa toute la surface du sol. Na ilikuwa ikimimia uso yote ya budongo. Et Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Wa milele Mungu alitungaka mutu kwa mavumbi ya budongo. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alipumzaka ndani ya pua zake pumzi ya uzima. Et l'homme devint un être vivant. Na ule mutu akakuwa mwenye hai. Amen. Amina. Apocalypse 8 verset 1. Ufunuo 8 mstari yake ya kwanza. Quand il ouvrit le septième sceau. Wakati ile alifungulaka ile muri ya saba. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mbinguni mukakuwa kimya ya karibu nusu ya saa. On va prier. Taomba. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il est clair.
Seigneur Jésus, tu es la grande sagesse qui est descendue en ces temps de la fin. Nous avons besoin de toi pour éclairer notre chemin, pour bénir notre vie, nous placer dans la dimension de ta parole révélée, dans la dimension de ta présence, et que chacun de nous soit béni, soit touché, soit restauré, soit guéri même des maladies. Parce que ta venue, il s'agit de ta présence sur la terre. Et ta présence a toujours apporté quelque chose. Bénis ton peuple qui suit en ligne. Bénis ceux qui sont ici et qui viennent. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je le disais, c'est une grande journée. J'étais en train de penser qu'on pouvait organiser des grandes réunions. Nilikuwa nikifikiri asema tunaweza kutayarisha mikutano kubwa par rapport à aujourd'hui kulingana na leo, mais tout simplement ça n'a pas été possible de le faire. Walakini tu haikuwezekana kuifanya. Même dans des années à venir on pourra en avoir. Hata mumiaka itakapokuja tunaweza kupata mikutano ile. Mais c'est tombé bien que ça soit un mercredi. Walakini ilianguka vizuri ipate kuwa siku ya mkazi tatu. Oh, nous venons normalement à l'église. Siku ile tunakuyaka kwa kawaida kukanisa. Alors, nous avons décidé de faire mention de cette journée. Ulichukua mpango ya kutaya kabisa siku hii. Le pasteur Masudi, lui aussi, qui organise souvent. Mchungaji Masudi, naye pia ule anatayarishaka kabisa siku ya leo. N'a pas eu vraiment à se préparer pour ça. Akujitayarisha kabisa kwa ajili ya ile. Ce n'est que hier qu'il m'a appelé pour me dire qu'il y a eu quand même des petites réunions qui vont avoir lieu. Il voulait même que j'aille intervenir aujourd'hui. Je lui dis, oh, j'ai déjà annoncé à l'église que je leur parlerai mercredi. Alors, comme chez eux, ça va jusqu'au dimanche, je pourrais aller là-bas demain. Alafu vile kwao inaenda kufika paka na siku ya Jumapili naweza kuenda kule kesho. Pour moi particulièrement c'est une grande journée. Kwa ajili yangu kwa upekee ni siku kubwa. Par rapport à l'ouverture du setso. Kulingana na ufungulivu wa ile muri ya saba. Et aussi à Kisangani pour Niwe, c'est notre 20e anniversaire. Tena kukisangani kwa ajili ya Niwe. Leo ni kumbukumbu yetu ya 20. Parce que l'église commença le 28 février. Kwani kanisa ilianzaka mutare ya 28 mwezi wa pili. 2004. Mwaka wa 2004. Alors qu'ils sont en train de me suivre en direct, je dis à Niwe, joyeux anniversaire. Alafu weko wananifuata kusinga ya mitandao nasema kwa Niwe, maulidi njema. Nous avons dit pour Kisangani que cette année aussi on va juste observer, on n'aura pas de grandes réunions. Tulisema Kisangani nasema hii mwaka tutachunguza tu, hatutakuwa na mikutano kabambi. Alors laisse que ces grandes bénédictions soient le partage de chaque croyant. Acheni ya kwamba hii mabaraka ikuwe sehemu ya kila mwamini. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vais peut-être aborder ça d'une manière un tout petit peu différente.
Sangine nitahubiri kwa namna ya kuachana tu kidogo kabisa. C'est pourquoi je pensais l'intituler Les septièmes sont depuis la Genèse. Ni kwa maana nitamani kuita ile muhuri ya saba tangu mwanzo. Et c'est Frère Branham qui dit dans la prédication les septièmes sceaux. Na ni ndugu Branham anasema ndani ya mahubiri ile muhuri ya saba. C'est là que j'ai tiré ma prédication. Ni pale nilivuta mahubiri yangu. Au paragraphe 77. Kifungo yake ya 77. Donc le chapitre 8. Ni kusema ile sura yake ya 8 révèle seulement la scène du septième sceau. Inafunua tu ile mambo ya muri wa saba. Alors que rien d'autre n'est révélé là. Ile wakati pale kitu yote ingine haifunuliwe. Rien n'est révélé là dans le septième sceau. Hakuna kitu kinafunuliwa pale muri wa saba. Oh ça, ijapo hii, ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. Aina na mambo hata moja na sura yake ya saba ya Ufunuo. La révélation du septième sceau. Ile ufunuo ya muri wa saba. Est absolument miwete. Iko kabisa bubu. Et si seulement j'avais le temps. Na kama tu nilikuwaka na wakati. Je vais prendre quelques passages. Tachukua bifimbo chache. Pour vous montrer. Kwa ajili ya kumionesha. Qu'on parle de ce septième sceau tout le long depuis la Genèse. Kote uku tangia mwanzo. Depuis le tout début. Tangia kule ku mwanzo. Dans la Genèse. Mu kitabu kya mwanzo. Ce septième. Ni iya saba. Point, point, point. Nukta, nukta. Se sont dessinés. Imiuri iridi chapa. Qui peut dire amen? C'est ma amina. Dis à ton ami, le septième sceau, c'est depuis la Genèse. Mweleze rafiki yako, ile muhuri ya saba, ni tangia mwanzo. Ça court la Bible entière. Inapita mu Biblia yote mzima. Depuis la Genèse. Tangia kitabu kya mwanzo. Nous venons de lire. Yapo tunatoa kusoma. Dans Genèse. Mu kitabu kya mwanzo. L'histoire du septième jour. Historia ile siku ya saba. Et là je vois les chiffres 7. Na hapa mimi naona tarakimu saba. Et Branham nous dit. Na Branham anatuonesha. Le septième jour. Ile muhuri ya saba. C'est depuis la Genèse. Ni tangia mwanzo. Et le septième jour, na ile siku ya saba, il y a un travail qui se fait. Kuko kazi kunafanyika. La Bible dit, Biblia nasema, Dieu acheva. Mungu alimalizaka. Au septième jour, ku ile siku ya saba, il a tout fait pendant six jours. Alifanyaka byote masiku sita. Mais le septième jour, il acheva. Lakini ile siku ya saba njo alimalizaka. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est fait le septième jour. Parce qu'on parle du septième jour comme le jour de l'achèvement. Il acheva au septième jour création. Et qu'est-ce qu'il fait le septième jour? Na ile siku ya saba anafanya nini? C'est au septième jour. Ni kusiku ya saba que Dieu utilise la terre comme matière. Jo Mungu anatumia budongo kama vyombo ya kazi. Parce que l'homme créé à l'image c'est le sixième jour. Kwani ule mtu aliumbiwaka kwa picha aliumbiwaka ni kusiku ya sita. Quand on arrive au septième jour, wakati wanafika kusiku ya saba, Dieu prend la terre comme matière de la création. Mungu anabeba budongo kama vyombo ya kuumba nayo. C'est-à-dire dans le septième, manake mu ya saba, l'homme, la chair humaine intervient.
mutu mwili ya mutu anaingia ndani. Avant le 7e jour, mbele ya siku ya saba, il y a que l'homme esprit. Kuko paka ule mutu roho. Il y a que la théophanie. Kuko paka ule théophanie. Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, cet homme esprit ule mutu roho était la niwe comme Dieu. Alikuwaka wingo paka sa Mungu. Il était le logos comme Alikuwaka Dieu. Alikuwaka logos paka sa Mungu. Il était le halo comme Dieu. Alikuwaka halo paka sa Mungu. Il était le Saint-Esprit comme Dieu. Alikuwaka roho mtakatifu paka sa Mungu. Oh, qui peut dire alléluia? Et sema alléluia. Et cet homme-là na ule mutu ule dirigeait la création alikuwa anaongoza maumbile sous la forme spirituelle ali ya kiroho. Et Dieu n'a pas été content que les choses demeurent spirituelles. Na Mungu akufurayaka vitu vibakie tu vya kiroho. Dieu avait besoin du matériel. Mungu akuwa na lazima vitu vyenye vinaweza kugusiwa. Alléluia. Alléluia. Il avait besoin du matériel. Et c'est ça le travail du 7e jour. Le 7e jour, Dieu a pris la poussière de la terre. Le fait de prendre ça en hébreu, on appelle Adama. Tiré de la poussière de la terre. Et il a façonné l'homme. La terre. Qui peut dire amen? C'est on ne parle pas de Dieu se reposa quand il avait l'homme théophanie. A tout semer, a la Bible n'a pas dit ça. Biblia isemea se Mungu alipumzika wakati aliumba mutu théophanie. Mais l'intervention de son repos, kwa lakini ile mapumziko yake, c'est quand il a l'homme de la terre. Wakati yako na ule mutu wa mavumbi. Qui peut dire amen? Sema amina. Dieu se reposa. Mungu alipumzikaka. Le 7e jour. Ile siku ya saba. Après avoir achevé sa création. Kisha yeye kumaliza maumbile yake. Oh, il achève la création. Anamaliza maumbile. En formant l'homme de la poussière de la terre. Mukumtunga mutu na mavumbi ya budongo. Et la Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme. Na sema, Mungu alipumza mupua ya mutu. Et l'homme devient un être. Na ule mutu akakuwa mwenye hai, ali hai. Frère Branham dit il ne s'agit pas du souffle comme le canard. Ndugu Branham asema haiko pumzi sa ile mbata eko nayo. Il a pris seulement l'homme éternel, il l'a placé dans la terre. Alimchukua tu ule mutu wa milele, alimutia ndani na ule mutu wa mavumbi. Il peut dire amen. Sema amen. Et quand il prend la théophanie, il le met dans la terre. Théophanie, mwile budongo, ça devient un être vivant. Anakuwa sasa mwenye hai, hali e hai. Et c'est le même 7e jour là. Il a tiré l'épouse. C'est-à-dire au 7e jour. Manage, kuile siku ya saba, il y a la manifestation de l'époux et de l'épouse. Kuko kuonekana kwa bwana arusi na bibi arusi. Amen. Amina. Maintenant, sasa. Regarde ce qui se passe le 7e jour. Tazama mambo inapitikana ile siku ya saba. Tout est fini. Biote binamalizika. Dieu s'est même reposé. Mungu alitulia hata kutulia. Et il dit à l'homme, nakaelezea mtu, de cultiver la terre. Alime budongo. Mais il y a pas la pluie. Kwa lakini hakuna mvula. Le 7e jour, ile siku ya saba, un travail d'arrosage s'est fait. Kazi ya kumimia ikafanizika. Dis à ton ami, ça se passe le 7e jour. Mwelezee rafiki yako, iko napitika na ile siku ya saba. Lorsque la vapeur quitte la terre. Moshi kunatoka pa budongo. Ce n'est pas le premier jour. Haiko siku ya kwanza. Ce n'est pas le 5e jour. Haiko siku ya tano. Ce n'est pas le 6e jour. Haiko siku ya sita. Mais le 7e ile siku ya saba. Dis-lui, est-ce que tu peux remarquer le 7e jour depuis la Genèse? Mwelezee, eh tu naweza kutambua ile muri ya saba tangia mwanzo. Au 7e jour, kusiku ya saba, la vapeur, le moshi, monte, ikapanda,
et la vapeur a la couleur blanche. Na yakalaka na rangi mweupe. Monte de la terre. Inapanda kutoka pa budongo. Ça ne descend pas du ciel. Aichuke kutoka kumbingu. Ça monte de la terre. Inapanda kutoka budongo. Et ça s'arrête dans l'espace. Na inabakia katika hanga. Et on pouvait même prendre la photo. Na waliweza hata kuichukua picha. Si avait de photographe. Kama kulikuwa kwa kuchukua picha. Mais il y avait pas de photographe. Lakini kulikuwa kwa kuchukua picha. Mais cette scène là. Lakini ile mambo ile va être accompli itatimizika à la fin kumwisho. La vapeur est montée, le moshi lipandaka, et il a commencé à arroser, kanza kumimia la terre budongo. Amen. Amina. C'est ça le septième jour. Il est njo mwiri wa saba. Parce que kwani tout tire son origine dans la Genèse. Biote binatokea kumwanjo. Amen. Amina. Et qu'est-ce qui va suivre? Na ninini tafuata? Parce que les semences sont de grandir, il fallait qu'il soit arrosé. Iko na lazima kukomea, inatakiwa waimimie. Et si la vapeur ne monte pas, kama ile moshi haipande, les semences vont mourir. Mambeko itakufa. La pluie va intervenir plus tard. Mvula itanyesha ni mbali zaidi. Au temps de Noé. Wakati wa Noa. C'est là que pour la première fois la pluie va tomber. C'est pourquoi je ne mets pas trop de confiance dans les réveils de la pluie. Parce que les réveils du Saint-Esprit comme la pluie tombe et sur la mauvaise semence. Ina nyesheaka na pambeko mubaya. Et sur la bonne semence. Na pambeko mzuri. Mais pas la vapeur. Lakini ile moshi hamna. La vapeur c'est pour les prédestinés. Moshi ile ni kwa ajili ya wale waliotayarishiwa. Il y a le baptême du Saint-Esprit comme la pluie. Kuko ubatizo wa Roho Mtakatifu kama mvula. Ça descend sur tout le monde. Inanyesha pa watu wote kabisa. J'y arrive dans quelques instants. Tafikia kwa dakika chache. Nous on n'a pas ce réveil là. Shatuna na ile hamko ile. Frère. Nduku. Il est dit que les enfants d'Israël étaient guidés le jour par la nuée. Banasema watoto wa Israel walikuwa naongoza mchana kwa wingo. Et la nuit par la colonne de feu. Na busiku kupitia nguzo ya moto. Vous pouvez prendre ça dans Exode 13. Mweza kuchukua mkutoka 13. Dans Nombre. Mu Esabu. Dans Deutéronome. Mukumbukumbu la Torati. La colonne de Niwe ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour. Nguzo ya wingo ilikuwa na dikokota mbele ya taifa mchana. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Wala nguzo ya moto busiku. Et je veux que tu saches que c'est le même être. Na mina penda ujua sema ni ule mwenye ai moja moja ule. Ce n'est pas deux personnes différentes. Aiko watu wawili wa kwachana. Le même Dieu. Ule mungu moja moja. Il s'est révélé le jour par la nuée. Alikuwa anajifunua mchana kupitia wingo. Et la nuit. Na busiku. Il devenait la colonne de feu. Alikuwa anakuya nguzo ya moto. Le même Dieu. Ule mungu moja moja. La colonne de feu et la nuée, c'est la même chose. Nguzo ya moto na wingo ni kitu hiki kimoya. Le problème, c'est le temps de manifestation. Mambo ni wakati wa maonekanisho. Quand vous voyez la nuée, le grand jour s'est levé. Wakati unaona wingo, siku kubwa inalamuka. Quand vous voyez la colonne de feu, c'est la nuit des âges. Wakati unaona nguzo ya moto ni busiku ya bizazi. Donc, littéralement, quand on voit la colonne de feu sur Frère Branham, c'est encore les âges de l'église. Vous savez, ma kama tunaona hivi nguzo ya moto yule ndugu Branham ichingariki bizazi ya kanisa. Et quand nous voyons la nuée apparaître, les âges sont terminés. Na wakati tunaona wingu inaonekana, malaike bizazi binamalizika. Dis à ton frère, à ta soeur, la nuée et la colonne de feu, c'est la même chose. Umweleze nduku yako, dada yako, asema wingu na nguzo ya moto ni kitu hiki kimoya.
la même chose. Kintu kimoya. Le problème, c'est le temps. Mambo ni wakati tu. Et nous parlons de cette niwe, cette grande colonne de feu photographiée en Arizona. Chetu na semeya i wingo inguzo kubwa ya moto iliyochukuliwa picha kwa Arizona. Et pendant qu'on en parle, je veux que l'impact soit votre partage. Na wakati tu na isemeya, mina penda tendo yake ikwe sehemu yako. Ce qu'il a fait pour Israël, qu'il le fasse pour toi aussi. Qu'il alitendee ya Israël akutendee Ethiopia. Il pouvait se mettre entre les Égyptiens. Aliweza kusimama kati ya wana Misri. Et les Israélites. Na wana Israeli. Il donnait l'obscurité chez les Égyptiens. Alikuwa anatoa giza kwa wana Misri. Et il donnait la lumière au camp d'Israël. Alikuwa anatoa nuru ku kambi ya Israeli. Et ça permettait au peuple hébreu d'avancer. Alikuwa anaruhusu kwa taifa ya Kiebrania isonge mbele. Laisse que la nuée te claire. Acha wingu ikuangazie. Et que tu avances. Na usonge mbele. Que Dieu jette les ténèbres aux ennemis qui te voient pas. Na Mungu atume giza kwa wadui wasikuone. Et que toi tu avances, tu avances, na tu avances. Songembele, songembele, songembele. Et cette niwe là na ile wingo ile a enlevé même les pneus des chars égyptiens. Il y a ndo hata mipeto ya magari ya wana Misri. Et il ne pouvait pas avancer. Na wakuwezi tena kusonga mbele. Est-ce que Dieu fasse la même chose? Acha Mungu afanye ile kitu moja moja. Qu'il prive l'avancée à tes ennemis. A ime kusonga mbele wa adui wako. Et que toi tu avances. Na weye wende mbele. Wende mbele. Wende mbele. Wende mbele. Alors, ça. Comme la colonne de feu, la niwe, c'est la même chose. Vile nguzo ya moto na wingo ni kitu kimoja. Nous voulons découvrir la terre du septième jour dans laquelle la niwe est sortie. Tunatamani kuvumbula ile budongo bwa siku ya saba mule wingo ilitokea. Je ne vais pas vous enseigner ces choses comme juste une routine. Sipende kumifundisha bibintu sa tu vile mazoezo. Mais je veux que tu ajoutes quelque chose. Kwa lakini mimi napenda uongeze kwa kitu kingine. Parce que nous allons de révélation. Kwani tuko naenda mufunuo moja kufunuo ingine. De gloire en gloire. Utukufu na utukufu ingine. Amen. Amina. Remarquez un peu la nature de ce septième jour. Tambua kwanza asili ya hii siku ya saba. On dit que Dieu sanctifia le septième jour. Wanasema Mungu alitakasaka ile siku ya saba. Dieu bénit le septième Mungu jour. Mungu alibariki ile siku ya saba. Dieu se reposa dans le septième Mungu jour. Mungu alipumuzikia ndani ya ile siku ya saba. C'est un homme. Siku ya saba ni muntu. C'est un homme né dans une famille pauvre. Ni muntu ule aliyezalika mfamilia ya maskini. Que Dieu bénit. Na Mungu alimubariki. C'est un homme né dans le péché. Ni muntu ule alizalikia muzambi. Que Dieu sanctifie. Na Mungu alimutakasa. Parce que nous sommes encore au matin de la création. Wali tuchingaliki kwa asubuhi ya maumbile. Il n'y a pas de péché. Akui akua zambi. Qu'est-ce que Dieu sanctifie? Mungu eko natakasa nini ile siku ile. Parce qu'il n'y a pas le péché. Chun zambi likuwa iakuya. Non, le septième jour, il en est question. Mambo yayo, depuis la génération, amen. Ce septième jour, c'est un homme. Il est siku ya saba ni muntu. Et cet homme, c'est William. Na ule mutu ni William. Marion. Marion. Branham. Branham. Que Dieu ramasse. Ule Mungu analokota. Dans les péchés. Munzambi. Il sanctifie. Anamtakasa. Pas seulement le sanctifier. Asimtakase tout. Mais il est béni. Kisha tena namubariki. Oui, Branham était béni. Dio Branham alibarikiwa. Il a commencé à fuir des chèques. Akaanza kukimbia masheki. Il dit c'est beaucoup. Anasema ni pesa mingi. Priez pour moi. Muniombe tout. L'argent. Pesa. N'est plus un problème. Aiko tena mambo. Et c'est Dieu là que je te prêche. Na ni ule Mungu ule njoni kuna kuhubiri. Soyez sanctifié. Kwa mwenye kutakasiwa. Soyez sanctifié. Kwa mwenye kutakasiwa. Soyez sanctifié. Takasiwa. Et soyez béni. Na barikiwa. Kipeni amen. Sema amina. Soyez béni. Barikiwa. Et devenez le lieu de repos. Na kuwa fasi ya mapumziko.
Amen. Maintenant, Sasa. Découvrons ceci. Tuvumbuleni. Parce que le 28 février, Jumutare a 28 mwezi wa pili. On a pris cette photo. Balichukua kai picha. C'est venu d'où? Ii ilitokea ka wapi? Parce que c'est ça mon problème. Jo mambo yangu ile. Si je récupère le septième saut depuis la Genèse, c'est cette question-là. Kama mina beba muri wa saba tangia mwanzo, ni swali. Lisons d'abord quelque chose. Kwanza tusome kitu moja. C'est le lever du soleil. Ni kulamuka kwa jua. Qu'est-ce qui est le lever du soleil? Kulamuka kwa jua ni nini? C'est cette photo. Ni picha hii. C'est le lever ni kulamuka kwa jua. Il commence à paragraphe 9. Anaanza kifungu yake atisa. Plus tard. Mbali zaidi. Les anges apparurent. Ba malaika bakaonekana. Comme il avait été annoncé dans la prophétie. Paka vile baitangaza kama unabii. Et en même temps, na mwakati moya moya, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais. Kunji kubwa ya nuru ikainyuka kutokea pafuashi ile nilikuwaka. On a mis ça là-bas? Banaibandika kule. Aha. Aha. C'est... Voyons ça ensemble. Aha. Tuyone shebote pamoya. C'est venu d'où? Ilitokeaka wapi? De l'endroit où? Pafashi ile. Et s'est élevé. Na ikainyua ikaenda. Dans les airs. Muhanga. À une altitude. Mukipimo. De 30 mailles, 48 kilomètres. Ya kilomètre 48. Autour du cercle. Kandukano il y avait comme les ailes des anges. Il a été tracé dans les cieux la forme d'une pyramide. Selon la même constellation d'anges qui était apparu. Kulingana na ile muungano ya malaika ile ilionekanaka. Prêche à celui qui est à côté de toi, dis-lui d'où c'est venu. Umubiri ule kupembeni yako asema umueleze ilitokea kwa wapi. C'est venu de l'endroit. Ilitokea pafua shile. Où j'étais. Ile nilikuwa shakushimama. Ah, votre pasteur lui prêche toujours différemment. Mchungaji wako anahubiria kama bintu byake bya yeye moya. Ce n'est pas moi. Aina mi. Amen. Ce n'est pas moi. Aina mi. Alors, avancez. Basi tuendele. La science a photographié cela. Science a ichukua picha ile. Cela sur tout le parcours depuis Mexique. Il est mufashi yote kutoka Mexico. Alors que c'est déployé. Wakati kwa nalipanua. Monte encore. Panda tena panda. Au nord-est de Tucson. Ku Tucson. Et cela na s'éleva. Il la mkaka dans les airs. Inaenda paka mwanga. Et le magazine Life en a publié des photos. Na gazette Life ikatangaza mapicha yayo. Cela fait quoi? Il est fanya nini? Cela s'éleva. Allons-y. Ah, tuendele. Eh bien, basi, ils ont voulu savoir de quoi il s'agissait. Ni mambo kani. La science. Science. L'un d'eux à Tucson en demanda la signification. Moja kati yabo kutikso na kalomba mana yayo. Mais je ne leur ai rien dit. Kwa lakini mie sikubaelezeaka kitu. Vous le saviez vous tous. Mwe wote mnaijua. Cela avait été dit à l'avant. Ile tulitangulia kuisema mbele. Mais ce n'était pas. Kwa lakini haikukuaka. Ce n'était pas. Aikukuaka. Mais nous nous connaissons parce que c'est pour nous. Kwa lakini chef na yasema ni yetu. Mais ce n'était pas. Kwa lakini aikukuaka yabo. Avancez. Endelea. C'était. Ilikuaka. Amen. Uh-huh. Amina. Bon amen là. Sema amina. Un amen qui fait mal au diable. Amina lebo na muma shetani. Ouais.
Alors là, il me parla et dit, les sept sceaux seront ouverts. Les sept mystères, les sept mystères de la Bible qui a été scellé depuis la fondation du monde, va être révélé. Et nous autres qui ne sommes qu'un petit groupe humble par rapport à l'ensemble du monde, nous nous sommes rejoints, nous sommes réjouis de ces bénédictions. Turifuraia ile mabaraka. Ayant entendu ces mystères. Ile masiri. Est-ce qu'il y a des gens qui se réjouissent? Et tu combats tout le monde à Furaï. Réjouissez-vous. Mufuraï. Pour ce défi. Bikele. Bikele. De ce mystère. Ya ima siring. C'est nous qui sommes humbles. Michenja tu kobanye kevo. Parce que nous nous réjouissons des mystères. Touche tu na furai ya masiri. Est-ce que les humbles sont là? Et tu banye kevo beko apa. Est-ce que tu peux te réjouir? Et tu n'as pas kupika kikele kele. Messieurs. Amen. Amen. Les mariages, les divorces. Ndoa tarakan. C'est aussi l'un des mystères. Il est là au piano moja masiria. On en parlera. Tout à l'heure, Zungumuzia. Peut-être on mettra les rideaux comme frère Branham. Kwalakini sangine tutaweka pazia sanu Branham. Parce que toutes ces années, les gens ne prêchent que les mariages. Mais Branham. Kwalakini. Branham a prêché Ariubiri mariage ndoa et divorce nataraka. Aminawe. Aminawe. Ah. Ah. La semence du serpent. Mbeko ya nyoka. Toutes ces différentes choses nous ont été complètement révélées. Il est mabitu yote akwa chana bale tufunulia yo biote bijote par un homme. Aiko mutu ndio atufunulia bio. Walakini Mungu yeye mwenyewe ndio atufunulia yo. Lui-même. Yeye mwenyewe. C'est lui qui a ouvert ces sept mystères révélant ce que fut l'église. Ni yeye ndio alifunua ile masiri saba mkufunua kile kanisa likuwaka. Kama elle était en Christ. Namna gani kanisa kwa ndani ya Kristo? Au commencement. Kule mwanjo. Et comment elle serait révélée dans les derniers jours? Namna gani kanisa ile tafunuliwa masiku za mwisho? Et maintenant? Na sasa, comme ceci faisait quoi? Sa vile hii ilikuwa nafanya nini? Amen. Comme ceci? Sa ville ilikuwa comme ceci. Sa ville ilikuwa na. Nous avons affiché cette photo de war sur les tableaux. I picha turi bandika pa yulu kubao hapa. L'autre est là. Ingine yole tunaibandika pale. Et aussi j'ai la photo ici. Na tena mie niko na ile picha hapa. Si vous faites attention. Kama unangarishisha mzuri. Telle qu'elle a été présentée par les magazines Life. Paka vile barileta kwa gazeti Life. Et je me demande si mon auditoire visible ici a déjà réellement regardé na, cette photo. Niko na juliza kama ukumbi yangu hii kwa hapa kama pia kweli kwa dans le sens correct. Mungambo ya sawa. Vous vous souvenez, c'est lorsque j'ai prêché sur les livres d'Apocalypse. Mutakumbuka ni wakati nilikuwa na hubiri pa hiki kitabu cha Ufunuo. Là où nous avons parlé de ces anciens juges et avions vu Jésus. Basi le tulizungumzia kuhusu wamzi wa zamani na tulimuonaka Yesu. Dans Apocalypse 1. Mufunuo sura ya kwanza. Que la vision est venue. Vile ono likuya. Quand nous avons commencé à ouvrir les sept sceaux, wakati tulianza kufungula ile miuri saba, ou plutôt les arches de l'église, wala basi bizazi bya kanisa, juste avant l'ouverture des sept sceaux, mbele tu ya ufungulivu ya miuri saba, Christ était là avec des cheveux blancs comme de la laine. Kristo alikuwa mwenye kusimama pale na nywele kama sufi. Et je vous ai expliqué comment les anciens juges anglais, na ndini fasilia namna gani wamzi wa zamani wa Kiingereza, et les juges d'autrefois, na wamzi wa zamani, quand ils allaient
à la cour pour y prêter serment, on leur conférait l'autorité suprême. Ils se coiffaient d'une perruque blanche, comme c'était l'habitude, pour montrer leur autorité suprême. Et bien, si vous tournez la photo comme ceci, Nabasi, kama nageuza picha kama hivi, et que vous regardiez, na unatazama vidhuri, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. Unaweza kuiona tangia umukumbi. C'est Christ. Ni Christo. Vous voyez ses yeux? Shunona mecho yake. Regardant ici. Mecho yake unatazama hapa. Juste aussi parfait que possible. Na ukamilifu yote vile inawezekana. Il porte la perruque blanche. Anavua la kofia mweupe. De la divinité suprême. Ya bumungu bwayulu kabisa. Du juge des cieux et de la terre. Ya ule mwamzi wa mbingu na dunia. Dans cette photo, c'est le juge des cieux et la terre. Ndani ya hii picha ni mwamzi wa mbingu na dunia. Or, il est juge à la seconde venue. Ijapo, eko mwamzi ni kuujio ya mala ya pili. Qui peut dire amen? Sema amina. Mais il ne jugera pas là-bas dans les cieux. Kwa lakini, asta mu, asta sambisha lwa mumbingu mule. Il va juger sur la terre. Anapasha kusambisha lwa pabudongo. Quand vous voyez un homme dire, j'accuse cette génération. Wakati unaona mtu anasema, mina staki iki kizazi. C'est le jugement. Ni ukumu ile. Qui peut dire, alléluia. Alléluia. Vous voyez ses yeux. Munaona mecho yake. Son nez. Mpua yake. Sa bouche. Kinywa yake. Tournez simplement. Geuzeni tu. Tournez simplement la photo comme ceci pour geuzeni tu picha kama hivi. De la position Mu'ali dans laquelle ils l'ont présenté comme ceci. Bali muonesha, bali ileta kama hivi. La position dans laquelle elle devait être. Ali ile lipasha kuwa. Et vous arrivez-vous à voir cela? Eti munafikia mukona ile? L'assemblée dit. Maskani nasema. L'assemblée dit. Maskani nasema. Il est le juge. Eko mwamzi wa juu kabisa. Dis à ton ami, c'est clair. Umweleze rafiki yako biko waji. Jésus dans la niwe. Yesu muwingo ni mwamzi. Le juge suprême. Mwamzi mkubwa kabisa. Or, il est juge dans Ijapo, sa seconde. Eko mwamzi mujio yake ya mala ya pili. Alors. Et cela est de nouveau une identification parfaite. Na ile malengine nakwa confirmation. Hakikisho kabisa. Ce message c'est i ujumbe ni ukweli. Ceci est la ni ukweli. Cela ni ukweli. Et cela fait de lui non pas une troisième personne. Na ile aimufanya yeye mtu wa tatu. Mais l'unique personne. Paka ule mtu moya moya ule. Avec les blancs, voyez, moupe, les noirs, na mweusi, son visage, sura yake, sa barbe, ndevu yake, ses yeux, mecho yake, remarqué, tambueni, il est en train de regarder. Eko na tazama. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à ni droite. Kwake yenjo kunatoka hii nuri kunangaza kulia. Dans la direction où il dirige. Mungambo ile kunaongoza. Ses yeux, mecho yake. Et à la croix. Na kumsalaba. Et à la croix, na kumsalaba, c'est là qu'il regarda. Njongambo ile alikuwa natazama. À sa droite. Kulia yake. Où il était le pécheur qu'il pardonna. Kule kulikuwa kule muovu alisameaka. Abraham explique que l'homme dans la photo. Ndoba amesema huyu mtu mupicha huyu. C'est le même Jésus de la croix. Jopa kaule Yesu moya moya wa kumsalaba. Ah, je vais attendre. Sema amina. Quand il regarde à la même position. Oui, pardonnant les pécheurs. Dans la lumière de sa résurrection, nous continuons d'avancer en son nom. Ce matin, j'aurais bien voulu avoir assez de temps à consacrer à ce phénomène qui il est sans l'ombre d'un doute. Bila shaka hata moja, ont été confirmés. Bila kikishiwa, ici même. Apa, à l'église. Mukanisa. C'est 35
dernières années, depuis là à la rivière, lorsque cette même lumière descendit ici, à Jeffersonville, en 1933, et prononça ces paroles, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ. Ton message annoncera ta seconde venue. Nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons cela. Oh, ce sont des fabrications. Ça, c'est. Cette photo accomplit la commission de Oyo. La seconde venue. Ujio ya mala ya pili. Nous sommes à la fin et nous voyons cela. Tuko kumwisho na tunaiona. Dans l'original en anglais, on dit nous le voyons. Mu original ya mkingereza banasema matima tuna muona. Nous sommes au temps de la fin et nous le voyons. Wakati ya mwisho na tuna muona. Amen. Amina. Cette lumière surnaturelle, ya kiro kabisa, on dirait qu'il accompagnait Frère Branham toujours. Inaonekana satu ilikuwa namsindikiza ndugu Branham pali pote. Donc, il doit être celui qui le gérait. Manake inapasha kwa yonjo alikuwa namuongoza. Branham gérait cette lumière. Inawezekana Branham alikuwa anayongoza en lui ndani yake. Mais on y va doucement. Kwa lakini twende tu pole pole. Prenons dans essayer de rendre un service. Tuchukueni mukujaribu kufanya kazi à Dieu kazi sans kwa que Mungu, ce soit la volonté de Dieu. Bila ipate kuwa mapenzi ya Mungu. Prêcher le 27 novembre 65. Bila lubiri mutare ya 27 mwezi wa 11 mwaka 65. Nous prenons paragraphe 80. Tunachukua kifungu yake 80. On va reposer à 83 un peu. Tutatulia kiloko ku 83. Et on pourra continuer après avoir lu quelque chose ici. Alafu tunaweza kuendelea kisha kusoma kitu kingine huku. Paragraphe 80. Kifungu yake 80. À Tucson, à l'université. Est-ce que c'est déjà là? Tucson ku university eti bashaitia pale. Un de mes amis. Moja wa barafiki yangu. Un ami à moi est allé là-bas l'autre jour pour leur en parler. Rafiki yangu moja akaenda kule siku nyingine kwa ajili ya kubaelezea hayo. Il disait nous ne comprenons pas. Barikuwa anasema sha ya tuelewe. Ce qui je lui ai dit, mie nikamuelezea, ne dis rien. Usiseme kitu. C'est inutile. Haiko na maana. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ushitupe lulu zako kwa mangulube. Vous voyez? Mnaona? C'est pour l'église. Ni ya kanisa. Pour les élus. Ya bateule. Ceux qui ont été appelés à sortir. Wale waliitwa kwa ajili ya kutoka. Donc pour William Branham. Prendre ces choses. Kwa ajili ya Branham kuchukua hivi vitu. Et les expliquer aux incrédules. Na kubifasilia bala batamini. C'est comme prendre les perles et jeter au pourceau. Iko sawa vile kuchukua malulu kuitupia mangulube. Ce n'est pas pour eux. Aiko yabo. C'est pour les élus. Ni ya bateule. Est-ce que les élus vous êtes là? Eti bateule muko hapa. Amen. Amina. C'est pour les élus, vous voyez. Ni abateule, mnaona? Les appeler à sortir, monter. Walio ita kwa ajili ya kutoka pandeni. Et puis, na kisha, chacun venait en disant, kila mmoja alikuwa na kuya mkusema, Frère Branham, ndoko Branham, je vois votre portrait ici. Niko naona sura yako ya kupembeni huku umu ndani. Ici. Au mundane. Dis à ton ami, il y a à manger et à boire. Vous les aider à faire quoi c'est ma. Muko bintu mundani.
Parce que si vous regardez bien cette photo, ukitazama vizuri hii picha, il y a aussi le portrait de Frère Branham. Muko pia sura ya ndoko Branham. Ah. Les amens ont un peu baissé. Mino na sa maami na inachuka kwa kidogo. Inachuka. Inachuka. Nous sommes le 28 février. Tuko mutare 28 mwezi wa pili. Et nous avons droit de connaître. Na tunapashwa kujua. Ah, maître, ah. Comment go bien? Maître, unabishike ubianjike mzuri maître. C'est où? Oui, c'est ici. Biko wapi? Ah, bio hivi biko hapa. Frère Branham. Duko Branham. Je vois votre porte. Mina ona sula yako apa. Je vois ceci. Mina ona I. Je. Mi. Vous savez comment c'est? Muna yua vile likuaka. Mais cette grande traînée, comme ce frère-là ici, excusez-moi. Kwa lakini influence kubwa sawa nduku huyu mnywe razi. Frère Branham prend la photographie dans sa main. Ndugu Branham anachukua ile picha mumkono yake. Voilà où cela a commencé à monter. Mwangalieni pale ilianzia kupandia. À s'élever. Kulamuka. En fait, ni kusema, là c'était le côté droit. Kule ilikuwa ni ngambo ya kulia. Dis à ton ami encore une confirmation que ça s'est élevé. Umweleze rafiki yako asema hakikisho tena ingine asema ilipanda. Ilitoka chini inenda yulu. C'est pas descendu. Haikutoke yulu inakuwa chini. Ah là là. J'ai oublié une citation que j'ai déjà lue ici il y a longtemps. Eh na sabwa ndiko mwani shako isomaka pa zamani. Je vais vous l'amener même l'autre jour. Nenda tawo militaire siku ingine. Branham dit Branham descendre signifie kuchuka maana yake descendre kuchuka signifie maana yake change kubadirika c'est ça descendre ndio kuchuka kule. Descendre, ce n'est pas quelque chose qui vient. Kuchuka, il y a qui tombe qui n'a trois couleurs, qui n'a pas changé. Mukubadirika. Je vais lire ça même à El Shaddai demain. Mita iso mata ku El Shaddai kesho. En fait, mikusema. Vous vous rappelez, j'ai dit l'ange. Muna kumkani disema ule malaika. Remarquable. Ule wa kuonekana kabisa. Qui était celui qui m'a parlé était sur Mwenye alikuwa kabla simaka na mimi alikuwa ngambo ya kulia. L'ange ule malaika remarquable. Wakonekana kabisa. Ah, n'oubliez pas cela que le portrait de Branham va sortir. Mushisa bwenjwa papa tatokea sura ya Branham ni paka hapa. Était sur la droite avant même que ça arrive. Alikuwa kulia mbele ya ile ifika. Vous vous rappelez? Mnakumbuka? Il avait les ailes pointées vers l'arrière comme ça. Alikuwa na mabawa sha kuichong kuishonta kumkongo kama hivi. Ce sont exactement les ailes de cet ange pendant que cela monte. Ni kabisa kabisa mabawa ya ule malaika wakati ile iko na panda. Ça va? Unaelewa? Faut changer en fait inapasha kubadilisha la symphonie de jouer ces choses. Mushikirio ya kusema hivi vitu hivi. On doit pas aller seulement à la monotonie. Atutenda paka mbimo ya bimoya 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 bimoya. C'est la montée. Muvuke ile ripanda. Monta. Ripanda. Vous voyez? Mnaona? Ils se sont donc mis à prendre des photos tellement c'était mystérieux. Donc balitia ma picha ilikuwa ya kisiri kabisa. Mais la dernière photo quand cela s'est formé dans les cieux. Voilà qu'il est picha ya mwisho wakati ile ilitungiwa mbinguni. Et tout voilà comment c'est Paris dans Look. Na yote mwangalie namna gani ilionekana mu gazette Look ici. Hapa. Retenez même les magazines qui publient la photo. Mushike ataile magazeti kuna tangaza hii picha. Il a parlé de Life. Alitaya gazeti Life. Et maintenant il parle de Look. Hapa sasa nataya gazeti Look. Cette photo. Ile picha ile. Ah. Ah. Regarde. Tazama. La vie. Uzima. Regarde. Tazama. Et vie. Naona. Vivre. Naishi.
Si tu regardes, kama unatazama, tu as la vie, uko na uzima, unaweza kuishi. Vous voyez? Unaona? Comment cela s'est élevé juste au moment où ils ont commencé à les voir. Vous voyez? Namna gani ile ripanda inafika mukipimo ile bananza kuiona. Et voilà la vraie photo principale. Namangaleni picha ya muhimu kabisa. La dernière quand c'était formé. Ya mwisho wakati ile litungiwa. Ils ne savent pas d'où c'est venu. Abajue ilitokea wapi. Ni où c'est allé. Wala kule ilienda. Ils ne savent toujours pas. Abajue atapa sasa. C'est une énigme pour la science. Nikitenda wili kwa ajili ya science. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Abajue ni mambo kanilipitikana. Mais nous. Shaye, nous savons. Shaye tunajua. Il y aura des signes. Kutakuwa maalama. Yulu mbinguni. Nous savons. Shaye tunajua. Vous voyez? Munaona? Et il a promis ces choses. Alilakaka hivi bintu. Vous voyez? Munaona? La seule chose s'il a été permis que ce soit pris. Kitu kimwa kiliruhusiwa kichukuliwe. Retournez encore. Murudia, rudia kwanja. 83. Retournez encore là-bas. Rudia. Voilà. Ah, pale. Ils ne savent pas d'où Abajue ilitoka wapi. Nous. Wala kule irienda. Mais nous. Lakini shaye. Et quel est le verset qui lui donne? Na ni mustari gani ile analeta? Il y aura des signes. Kutakuwa maalama dans le ciel. Mbinguni. Et je vous ai montré dans les zodiacs. Na nilimionyesha katika zodiaki. Qui quand il y a les signes dans le ciel. Wakati kuko alama mbinguni. La chose est sur la terre. Nikusema ile mambo tayari iko pa bulongo. Et il projette son image. Iko naonesha picha yake mbinguni. Lorsque les étoiles se sont croisées. Wakati manyota ilikutanishanaka. Et que les mages ont suivi l'étoile. Na wamajusi walifuata ile nyota. Ça montre que. Iko naonesha ya kwamba. Le Messie. Masia. Est sur la Eko pa budongo. Etant sur la terre. Na mwenye kuya pa bulongo. Il projette. Anaonesha. Son image. Picha yake. Au ciel. Mbinguni. Et lorsque vous voyez les signes. Na wakati munaona maalama. Dans le ciel. Mbinguni. Cela signifie. Ye mana yake. Que la chose. Ile kitu. Est sur la terre. Iko pa budongo. Et il projette. Na iko naonekanisha. Son image. Picha yake. Au ciel. Mbinguni. Kipani hallelujah. Ye hallelujah. Yes. Dio. Ils ont pris la photo. Barichukua picha. Mais ils ne savent d'où cela est venu. Kwa lakini abajue ilitokea wapi. Et ni cela où est. Wala kule ilienda. Mais nous savons. Kwa lakini sha tunajua. Que les signes projetés dans le ciel. Na alama ilionekanishwa mbinguni. Non, la chose vient de la terre. Usema ile kitu inatoka ni pa bulongo. Qui peut dire amen, 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 amen. Sema amina, 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 amina. Théo, ça va? Théo, biku naingia. Ouais. Ndio. Alors. Sasa. Frère Branham, nous avons vu ton port. Ndugu Branham tuliona sura yako. Et il introduit na anengiza l'ange remarquable. Ule malaika mkubwa kabisa. Prenons le septième sceau. Chukweni muri wa saba. Septième sceau. Muri wa saba. À 400, il parle de son voyage à l'ouest. Kukifungu yake ya 100 anasema kwa husu safari yake ngambo magharibi. 400. Kukifungu yake ya 400. Il montre comment il est allé à l'ouest. Anaonesha namna gani alienda ku ngambo magharibi. Pour rencontrer les sept anges. Kukutanishana na wale wa malaika wa saba. À 401. Ku 401. Il prend la vision de Junior Jackson. Anachukua ile ono ya Junior Jackson. Qui avait une montagne en forme de pyramide. Ula liona mlima muali ya pyramide. Et cette pyramide avait des pierres. Na ile pyramide ilikuwa na mawe. Et Frère Branham était avec un groupe de frères. Na ndu Branham kwa na kikundi ya banduku. Il commença à expliquer des pierres qui étaient sur la montagne. Akaanza kufasilia mawe ilikuwa pa ile mlima. Et après il a pris
une barre métallique. Il va ouvrir les capuchons de la montagne. À l'intérieur de cette forme de pyramide, il y avait les rocs blancs. Garni. Sur lesquels la lumière n'a jamais frappé. Depuis la fondation du monde. Amen. Amina. Et frère Branham, Branham est parti chercher l'explication de la pierre, les rocs blancs. Il a parlé de ça. Il continue pour la pierre blanche qui était à l'intérieur de la pyramide. Mais ici dans le septième souffre Branham, il prend le songe de Junior Jackson. Il lui dit c'est exactement la constellation des anges. C'est cette pyramide là. Pyramide que lui il a vu sous forme de la montagne. C'est la constellation des anges. Et à l'intérieur, il y a les rocs blancs. C'est-à-dire que les anges ont transporté les rocs blancs à l'intérieur. Et qui est ce roc blanc? Mais c'est exactement Jésus-Christ. C'est la divinité que les anges ont transporté. Donc c'est frère Branham qui doit venir avec la vraie révélation de la divinité. Regardez maintenant là où ça va différencier des adorateurs de frère Branham. 403. Une autre chose, c'est que j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Si vous écoutez la bande de Monsieur Keller et Tim, vous remarquerez qu'il y avait un ange qui était très particulier. Les autres étaient juste, semblaient être ordinaire. Mais cet ange-là était un ange particulier. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux rocher blanc. Ni mule ndani ya pyramide ndio mulipatikana. Il est ribu à ma stadia bu mweupe. Sur lequel rien n'était écrit. Pale apakukwaope kuandikiwa kitu hata kimoja. Et les anges na ba malaika m'ont fait entrer dans la pyramide que eux-mêmes avaient formée. Bari ningishaka ndani ya pyramide ile bobe nyewe bari tungaka. C'est fort, hein? Nikianguvu, hein? Mais il faut avaler. Kwa lakini munapasha kumeza. À l'intérieur de la pyramide, il y a le roc blanc. Mule ndani ya pyramide muko ile ribwe mweupe. Et les anges m'ont amené. Na ba malaika barini beba. M'ont introduit. Bana ningiza mule ndani. Dans la constellation. Mungano ba malaika mule. Dans la pyramide. Mule mu pyramide mule. Que eux-mêmes avaient formé. Ile bobe nye baritungaka. Les mystères de Dieu qui ne sont connus que deux. Il est masiri ya Mungu na julikana tu na bobo binyewe. C'était les messagers. Nous sema bo balikuwaka ni bajumbe qui étaient venus interpréter cette pyramide. Bale balikuwa kutafsiri hii pyramide. Ou ce message du secret. Wala hii ujumbe ya siri. De cette sorte. Ya miuri saba. Qui repose à l'intérieur de la pyramide. Yenye nekala umu ndani ya pyramide. Maintenant. Sasa. Cet ange
ange était donc à ma gauche. Où le malaïka basi alikuwa kushoto yangu. En fait, ni kusema, il serait le dernier. Aliweza kuwa mwisho. Ou le septième ange. Wala ule malaika wa saba. Si on le comptait de gauche à droite. Kama tunawahesabia kutoka kushoto kwenda kulia. Il était le septième. Alikuwa wa saba. Il était à ma gauche. Alikuwa kushoto yangu. Alors que j'ai le regardait venir. Pale nilikuwa namtazama eko na kuya de l'ouest. Kutoka kumangaribi. Il se dirigeait vers l'est. Alikuwa anaenda kwa asubuhi. Il était à ma gauche. Alikuwa kushoto yangu. Cela devrait donc être le message du dernier ange. Ile ilipasha kuwa basi ile ujumbe ya ule malaika wa mwisho. Il était très remarquable. Alikuwa ka wa matajabu kabisa. Vous voyez? Mnaona? Souvenez-vous que j'avais dit. Kumbukeni ya kwamba nilisemaka. Il renversait un peu la tête. Alikuwa shakugeuza kuangusha kichwa kama hivi. Il avait de grandes ailes pointues. Alikuwa na mabawa minene ya chongo. Il avait volé directement vers moi. Aliluka kama la moja anakuya. Kwangu. Or ça, japo hii, c'est septième saut. Njo hii muuri ya saba. C'est encore quelque chose de spécial. Tena ni kitu ingine ya kipeke. Les adorateurs de Frère Branham. Bale beko na budu ndugu Branham. Ils disent le fait que les anges ont amené Frère Branham à l'intérieur de la pyramide. Beko nasema vile tu ba malaika balingiza ndu Branham ndani ya pyramide. Et qu'à l'intérieur de la pyramide, c'est le roc blanc. Mule ndani ya pyramide ni ribwe mweupe. C'est Frère Branham le roc blanc. Ni ndu Branham jo ile ribwe mweupe. Ils ont manqué quelque chose. Bari lusa kitu moya hapa. Ils ont manqué les détails sur l'ange remarquable. Bari lusa imambo inangalia u malaika wa kabaila kabisa. Quand ils sont venus, wakati barikuya, à l'intérieur il y avait un ange remarquable. Ndani mulikuwa malaika moja wa kabaila wa lazima kabisa. Le septième. Ule wa saba. Qui a la tête penchée. Ule kuna kichwa cha kunjamisha kama hivi. Vous voyez cette niwe ya la forme de la tête penchée. Iko na hali ya kichwa cha kunjama hivi. L'ange remarquable. Ule malaika wa kabaila kabisa. Lui qui détenait le septième sceau. Ule mwenye alikuwa sha kuchunga ile muri wa saba. Lui qui est le septième sceau. Ule yeye mwenyewe njo muri wa saba. Christ. Christo. Les anges l'ont amené. Ba malaika, ils sont venus avec lui. Barikuwa naye. Vous me suivez? Una nifuata. Là Branham n'est pas encore entré. Pale Branham ashia ingia bado. Il a la tête penchée. Yona kichwa kunjama kama hivi. Bombe. Mwenye kuvimbisha kilari kama hivi. Le maître du convoi. Mwenye eko naongozwa ile ufululizo. Lui qui est escorté. Ye mwenye beko namupeleka. Mais walakini il a envoyé les anges. Alituma ba malaika. À cette forme, moi je ne descendrai pas là-bas. Allez me chercher William Branham. Asema nai ali inikonayo Mr. Weza kuchuka kule. Mwende mkanitafutie William Branham pale. Et Frère Branham dit. Nandoko Branham anasema. Les anges eux-mêmes. Ba malaika bobenyewe. Mon prince. Barini beba. Et ils m'ont introduit. Na baneningiza. Dans cette pyramide. Pyramide suivez maintenant l'histoire qui se passe. Branham est déjà dans la constellation. Maintenant cet ange remarquable. Lui qui détient le septième sceau. Lui qui est le septième sceau. Il vole. Analuka moja kwa moja. Vers William Branham. William Branham. Bang. Où est l'ange remarquable? Malaika ule wakabaile ko wapi? Personnifié dans Branham. Mweye kudifanya muntu ndani ya Branham. Il est venu vers moi. Alikuya kwangu kabisa kabisa. Et dans l'opprobre pour la parole Branham dit. Na muaya kwa ajili ya neno Branham anasema. Il s'est fondu. Ariyeuka sur moi ndani yangu. Et l'autre traduction dit na utafsiri nyingine nasema il est entré majestueusement
en moi. Aringia ndani mwangu na bukubwa bwake bote. Alléluia. C'est en ce moment-là. Limuila wakati ile. Ule malaika wa kabila na William Branham bakakuya kituki. Et c'est le porteur maintenant de Branham. Ile njoo sula sasa ya Branham. Branham dit, c'est ça le septième saut. Branham asema, injo muri wa saba. Quelque chose de spécial. Kitu moja ya kipeke. Lorsque l'ange remarque, wakati le malaika wa kabaila vient se fondre sur William Branham. Anakuwa kuyeyukia pa William Branham. Et Branham vient le représenter. Na Branham anakuya kumuwakilisha. Aujourd'hui, je vais donner le premier saut. Leo taleta muri ya kwanza. Aujourd'hui, le deuxième saut. Leo muri ya pili. Aujourd'hui, c'est le troisième saut. Muri ya tatu. Qui est en train de dire ça? Ni nani yako nasema ile? L'ange. Ule malaika wa kabaila. C'est pourquoi? Ni kwa maana? Dans la niwe, ndani ya wingo, Branham est là. Branham na ekomo, ekwa momule ndani. Si tu regardes comme ça, ukitazama hivi, tu ne vois pas. Hautaona. Mais il est là. Walakini ekwa mondani. Ça va? Unaelewa? Ça va? Unaelewa? Ah, je te prends aussi. Ah, na kubeba na we. Je t'introduis dans la niwe. Mina kuingiza muwingo. Parce qu'il y a une femme. Kwani, une femme mwanamuke, a vu la vision. Aliona kaona. Anasema nduku Branham. Quand tu entres dans la nuit. Wakati ulikuwa naingia muwingo. Derrière toi. Nyuma yako. Il y avait des gens avec des drapeaux. Kulikuwa bantu na mabendera. Oh, qui peut dire amen? Hey, sema amen. De tout mon cœur. Mina mini na moyo yangu yote. J'étais là derrière frère Branham. Nilikuwa pale nyuma ya nduku Branham. Avec le drapeau. Na bendera. De la RDC. Ya RDC. Qui peut dire amen? Sema amen. Toi aussi tu étais là. Na wewe pia ulikuwa hapo. Toi aussi tu étais là. Na wewe pia ulikuwa hapo. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant. Sasa. Je reprends à essayer de rendre. Mina chukua kujaribu kutumikia. Alors, je prends le paragraphe 91. Na chukua kifungu yake ya 91. Et 92. Na 92. Alors, quelque chose m'a dit tourne ça correctement. Alafu kitu mwaka nyelezea uigeuze kwa namna ya sawa. Il a dit tourne ça correctement. Asema uigeuze kwa namna ya sawa. Je me suis dit. Nikadielezea. La voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Sauti na pena sa ingine niigeuze kuituma ngambo ya kulia. Et quand je l'ai fait. Wakani ligeuza. Vous voyez ce que c'est. Unaona ile ni nini? La tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Kichwa kya Kristo pale kwa na miaka 30. Na tatu ile Hoffman alichapa. Ile la. Kichwa ile iko pale. Or l'homme de 33 ans, ce n'est pas un esprit. Ule mutu wa miaka 33 aina roho. Ce n'est pas un esprit. Aina roho. C'est réellement l'homme là que Marie avait enfanté. C'est réellement l'homme que Marie avait enfanté. Ni mutu ule kabisa Marie alizala. Et Branham dit, c'est celui-là qui est là. Branham asema njole mutu ule kopale. Jésus. Yesu. L'ange remarquable, c'est Jésus. Ule malaika wa kabaila ni Yesu. Tel que Hoffman l'avait peint. Paka vile Hoffman alimuchapaka. Quand les anges viennent, l'homme à l'intérieur. Wakati ba malaika banakuya. C'est Jésus. Uyu mutu umundani ni Yesu. Vous comprenez ça? Unaelewa ile? Tel que Hoffman l'avait peint. Paka vile Hoffman alimuchapa. Mais il ne demeure pas comme ça. Walakini ashibakie vile. Il dit dans ma forme là, je ne peux pas descendre sur la Anasema, terre. Anasema na ile sura ile, ile mwili ile hawezi kuchuka pa budongo. Allez me chercher William Branham. Mwende mkanitafutie William Branham. Amenele ici à l'intérieur. Umulete umu ndani.
Est-ce que vous comprenez? Et les anges eux-mêmes ont pris William Branham et ils l'ont fait entrer dans cette constellation. Et Jésus, l'ange remarquable que les anges ont amené est venu droit vers Branham. Il moja kwa moja kwa Branham. Disparaît. Ndani yake. Qui peut dire alléluia? C'est alléluia. Et l'ange remarquable. Na ule malaika wa kabaila kabisa. Qui est allé de Jeffersonville mwenye, à Kentucky. Alitoka ku Jeffersonville anaenda ku Kentucky. De Washington en Afrique. Kutoka ku Washington kwenda ku Africa. Faisant sept fois le tour du monde. Kuzunguluka mara saba ulimwengu. Ce n'était plus quelqu'un avec beaucoup de cheveux. Alikuwa tena mtu alivanywele vya mingi. Ce n'était plus quelqu'un portant la robe. Alikuwa tena mtu mwenye kuvua nkanjo. Mais c'était maintenant un homme chaud. Lakini ilikuwa sasa ni mtu wa riba la. Portant la veste. Mwenye kuvua la suti. L'ange ule malaika wa kabaila. Le portrait de frère Branham. Sula ya ndugu Branham. Est-ce que tu es à mesure d'expliquer comment c'est allé de la tête d'Hoffman à William Branham? Eti uko na uwezo wa kufasilia namna gani ilitoka ku kichwa cha Hoffman inafika ku sula ya William Branham? C'est parce que les anges ont amené Branham. Ni kwani ba malaika bali muleta Branham. Dans la constellation. Bana muingiza mwile mungano wa malaika. Na Yesu a pris le corps de William Branham. Anachukua ile mwili ya William Branham. Pour manifester la seconde venue sur la terre. Wajini ya konekanisha ujio ya mala pili pa bulongo. Qui peut dire amen? C'est ma amina. Un amen fort. Amina yanguvu. Hey. Hey. Donc si tu vois, tu vis. Nous sema kama unaona unaishi. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Alors? Sasa. Puisqu'il y a toujours des gens avec des petites connaissances. Et on voilà, il a dit que Kwani, ce n'est plus Jésus d'Hoffman dans la Niwe, c'est maintenant Branham. Kwani kuko batu na tuma ujuzi tudogo tudogo. Watasema angaria, alisema na tena Yesu wa Hoffman muwingo ni William Branham. Si ça t'arrive comme ça, pose-toi seulement la question. Où est-ce qu'il a dit qu'il y a la différence avec les adorateurs de Branham? Kama binakufikia vile, udiulize toi sima, nifashi kanya alisema njopo kwa chanisho na bale beko na budu ndugu Branham. Parce que les adorateurs de Branham ne voient pas la scène qui se passe. Njubale bako na budu Branham, abone ile mambo vile kuna pitikana pale. Ils voient directement Branham qui est déjà dans la constellation. Bobe ko naona mara moja Branham eko mungano ya ba malaika. Ils voient pas abaone qui était venu avec les anges. Ni nani mbele arianzia pokuya na ba malaika. Qui peut dire amen? Sema amina. Qui peut dire amen? Sema amina. Et les anges ont amené Branham. Na ba malaika baribeba Branham banakuwa banamuingiza mu. Et Jésus s'est fondu na Yesu akaingia ndani ya Branham. Et Branham se présente comme l'ange remarquable. Anaonekana pale kama ule malaika mwenye uwezo. C'était là où il poursuivait quand il a dit que njoku la kwa nafuata pale kwa nasema le sixième saut c'est deux hommes. Pale kwa nasema yo yenyewe ile muri wa sita ni bantu bawiri. Eli et Moïse. Elia na Musa. Comme pour dire le septième saut c'est un homme. Savile anafia kusema muri wa saba ni muntu. William Marion. William Branham. Marion Branham. Et on a parlé de lui depuis la Genèse. Na balisema kwa ajili yake tangia mwanzo. Il est la terre purifiée. Ye kole budongo ilio takasiwa. Béni. Bulongo bulio barikiwa. Là où Dieu vient se reposer. Fasile Mungu anakuya kuikaria kupumuzikia. Et toi aussi l'épouse. Na we pia bibi harusi. Tu es l'œuvre du septième jour. Uko ile kazi ya siku ya saba. Tu n'as pas été fait le sixième jour. Aukutungiwa ile siku ya sita. C'est pourquoi ton message c'est le septième jour. Ni kwa maana ujumbe yako ni ile muhuri ya saba. Amina we. Amina we. Bien. Nzuri. Alors? Sasa.
C'est pourquoi dans les œuvres sont l'expression de la foi, il répète encore. Laisse-moi aller un peu vite. Essayez, paragraphe 95. Et puis quand c'est venu, j'ai alors vu ce que c'est, voilà sa barbe noire. Vous l'avez vu, je pense. Vous voyez, sa barbe et ses cheveux sombres. Ses yeux, son nez. Tout parfaitement. Et il n'y a même pas une partie de ses cheveux. Qui descend de ce côté. Il est Dieu, vous voyez. Il est le même. Il est aujourd'hui éternel. Et voilà les magazines. Look. Ou plutôt les magazines voilà Life. J'ai oublié de quel numéro il s'agit. C'est celui du 17 mai 1963. Ça, c'est la date de l'apparition du magazine. C'est la même photo au verso il y a Rockefeller et sa femme. C'était un grand homme politique aux États-Unis à l'époque. Alors le magazine qui est sorti cette année-là, le 17 mai, on avait parlé aussi de Rockefeller et sa femme. Rockefeller, et là à l'intérieur, il y a une page qui était consacrée à la niwe de 63. Ah, j'ai même les magazines. Le gazette, les magazines apparu le 17 mai. Le gazette, yo, itokele ya, mutare ya. Les gens qui s'embrouillent sur la date, oh, ce n'était pas le 28 février, oh, c'était en mars. Non, il devrait simplement rester dans Frère Branham. William Branham nous envoie au magazine Life paru le 17 mai 63. Et le magazine Life déclare cette photo a été prise le 28 février. Asema hii picha ilichukuliwa mutare ya 28 mwezi wa pili. Et Frère Branham avec son esprit critique ne pouvait pas laisser ça si c'était faux. Na ndugu Branham na ile roho yake ya kuyua bizuri na bibaya kuwezi kuacha hivi kama vilikuwa vibaya. Pouvait dire oui le magazine a publié mais il a commis une erreur. Aliweza kusema ndio. Ce n'était pas le 28 février. Alitangaza alifanya kosa haikuwa mutare ya 28 février. Branham alisoma hii. Que la photo a été prise le 28 février. Picha ilichukuliwa le 28 février. Magazine Life le publie. Le 17 mai. Or le 17 mai. C'est la date où Noé entra dans l'arche. Il est Noé alingiaka musafina. Dis-moi, pasteur. Mchungaji. Est-ce que c'est dans la Bible? Il est mambo nasema ko mu Biblia. Oui, c'est dans la Bible. Ndio iko mu Biblia. La Bible dit. Biblia nasema. Noé entra dans l'arche. Noé alingiaka musafina. Le 17e jour. Siku ya 17. Du 2e mois. Ya mwezi wa pili. Et vous connaissez le 2e mois dans la Bible. Na yu, mwenzi ya pili mbiblia. Il faut connaître d'abord le 1er mois. Wanziepo, kujua, mwenzi wa kwanza mbiblia, ni nini. Dieu dit aux enfants d'Israël. Mungu aleleza batoto Israeli. Observe le mois d'Abib. Angalisha mzuri le mwezi Abib. 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 Ya Abib. Le mois auquel j'étais fait sortir du pays de l'Égypte. Mwezi mule nilikutosha mu inchi ya Misri. C'est le mois là qu'ils ont célébré la Pâque pour la première fois. Njo mwezi ile barisheleke ya Pasaka kwa ajili ya mara ya kwanza. Ce mois sera pour toi le premier mois de l'année. Na c'était avril. Ile mwezi itakuwa kwa ajili yako mwezi ya kwanza ya mwaka. Ilikuwa mwezi wa 4. Dans le calendrier juif. Ijapo mkalenda ya Wayahudi. Le premier mois de l'année. Mwezi ya kwanza. C'est le mois d'avril chez nous. Quand je parlerai de cette fête, je vais vous montrer tout ça. Et le 2e mois, c'est le mois de mai chez nous. Et le 17 mai, Noé entra dans l'arche. Dieu a laissé. Na Mungu aliacha. Que le magazine Life gazette Life publie la nuit le 17 mai
Mutare ya kumi na saba mwezi wa tano. Si vous regardez, vous vivez, vous entrez dans l'arche. Kama unatazama, unaishi, unaingia musafina. Entrez dans l'arche. Ingia musafina. Qui peut dire alléluia? Sema alléluia. Parce que dans la vision. Kwani katika ono. Du père Charles Price. Ya baba Charles Price. Il a dit que quand l'église. Alisema ke wakati kanisa. Arrivera à la maturité. Itafika mukukomea. Le ciel sera ouvert. Mbingu itafunguka wazi. Na sanduku ya agano ya Mungu itachuka. Et cet na kule kutimizika kule c'est le 28 février. Ni mutarea 28 mwezi wa pili. Sema haleluya. Dia ton ami Antoine. Mweleze rafiki yako tuingie msafina. Tuingie. Tuingie msafina, tuingie. Amen. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi. Matendo iko naonesha imani. Ouais. Ndio. Ça c'est les œuvres. Hii ni matendo. Parce que la foi c'est un homme. Ju imani ni muntu. Avec des poils sur la poitrine. Na manyonya pa kilari. Et voilà ses œuvres. Ah, mangalieni sasa matendo yake. La niwe. Wingo. Paragraphe 255 il dit. Kifungu yake 255 anasema. Il porte une perruque. Anavala kofia. Et ce jour-là quand cela arriva, cela monta. Na ile siku pale ile mambo ilifikaka, ile mambo ilipandaka. Toujours monter. Nitaka kupanda. Alors tournez cette photo de côté. Alageuza hii picha ngambo ya huku. Si vous avez le magazine Look ou le magazine gazette, Life. Look wala gazette Life. Tournez-le de côté. Uigeuze ngambo ya huku. Il est là tout aussi parfait que la tête de Christ d'Hoffman. Eko pale na ukamilifu yote paka sa ile kichwa ya Kristo ya Hoffman. Regardant en bas juste là où je me tenais. Ukutazama huku chini paka fwashi ile nilikuwa nisha kushimamia. Parce qu'il est monté de là. Ndu alipanda kutokea lwa pale. Amen, amen, amen. Amina, amina. Il est monté de là. Alipanda kutokea lwa pale. Et il regardait là où je m'étais. Alikuwa anatazama fashion nilikuwa nishakushimama. Combien ont déjà vu cela? Bangabi bashakonaka ile. Évidemment. Akika. Vous tous vous l'avez vu. Mwebote mulionaka. Alors. Il était là. Alikuwa pale. Un jeune homme de pas plus de 30 ans. Alikuwa pale kijana moja wa miaka karibu 30. Portant une perruque blanche. Mwenye kuvala kofia mweupe. Bien aimés frères et sœurs. Mpendwa ndugu na dada. La seconde venue elle est d'abord physique dans le ciel. Ujio ya male ya pili iko kwanza ya kimwili mbinguni. L'homme qui est monté, c'est l'homme qui est venu. Ule muntu alipanda. Njoo paka ule muntu alikuya. Beaucoup de prédicateurs ne savent plus prêcher la seconde venue. Baubiri ba mingi leo abajue tena kuhubiri ujio wa mara ya pili. On appelle ça seconde venue par rapport à cet homme, il était d'abord venu la première fois. Beko naita sema ni ujio wa mara ya pili. Ni kufuatana na ule muntu ule alikuwasha kuyaka mbele mala ya kwa ya kwanja. Et il vient pour la seconde. Na sasa hapa nakuya njoo ya mara ya pili. Oh non, c'est la venue de la parole, pas de l'homme. Oh, ni ujio ya neno, aina ujio ya muntu. Même à la première venue, c'était la venue de la parole. Ata kujio ya kwanza, ilikuwa paka ujio ya neno. Ensuite, comme cet homme-là, des promesses les chassent sur la terre kisha, pendant ces moments. Vile ule mutu, malako kuna mwandama pabulongo mui wakati hii. Il devait prendre un autre corps. Jo pale alipasha kuchukua mwili ingine. Pour se présenter sur la terre. Tu akuya onekane pabulongo. Donc la seconde venue sur la terre c'est un prophète. Nikusema ujio wa mara ya pili pabudongo ni nabii. Donc Jésus qui prend la forme d'un prophète. Yesu ule anachukua sura ya nabii. Est-ce que c'est difficile? Ni bya nguvu. Dans la niwe, c'est l'homme de 30 ans ou 33 ans. Mon un wingo, homme, un homme muntu, physique. Muntu wa miaka 30 wala 33. Muntu wa kimwili hivi. Mais ici sur la terre, hapa pabulongo, il prend un autre corps. Anabeba mwili ingine. D'ailleurs, il n'a pas voulu que les opérations se fassent sur la terre. Mbele ya kupendaka tele mambo yote fashike pabulongo. Au ciel. Mambo yote fashike mbinguni. Il dit aux anges, amenez-moi cet homme. Asema pa malaika, munilete ule muntu ule huku yulu. Et il entra. Na akaingia mule mpang. Et il est mystère de piouf, na kukoya ile siri ya piouf, paf. Amen. Amina. Bien. Nzuri. Prenez maintenant ceci. Chukweni sasa hii. Dieu dévoilé.
Mungu aliyejifunua wazi. Dieu dévoilé. Mungu aliyejifunua wazi. Est-ce que tu l'as vu? Parce qu'il est, il est dévoilé. Ulimona njua shaka ulifungula wazi kabisa. 362. 362. Cette colonne de feu visible. Hii nguzo ya moto ilionekana hii. Qui a été prouvé par la science. Yenye ilihakikishwa kupitia science. Non, non, il faut que je descende. Hii inapasha paka nichukie hiyo chini. Cette colonne de feu visible. Oh là là. Nguzo ya moto ilionekana. Hey ma. 362. Oh là là, c'est oh, très fin. Oh, tu loco. Aïe 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 aïe. Shérif, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Shérif, nini ni kule shérif wangu. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, je retourne là-bas. Mais la rurialo wangu kuyulu. On gagne. Cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science il y a bien des années. Quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même. Et ce qui allait se produire, je vous en ai parlé. Un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, wakati wa amko ya kwanza, il est apparu dans le ciel. Alionekana mbinguni. Il s'est identifié. Alijitambulisha. Et a donné la commission. Na alileta ile kazi. Sikiliza. Pendant toutes ces années, kui miaka yote hii, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Nilichunga ile nguzo ya moto ile kufuchama mumoyo yangu. Voilà Christ. Mukumfunika Christo. La même colonne de feu. Il est nguzo ya moto moja moja. Qui interprète la parole. Yenye kona tafsiri neno. Quelque promis. Paka vile barilaka. Dis à ton ami l'arbitre a sifflé. Umweleze rafiki yako asema arbitre anapika firimbi ya mwisho. Cette colonne de feu. Hii nguzo ya moto. Cette nuée de gloire. Hii wingo ya utukufu. Branham la foi. Branham alifunika ndani yake. Pendant tout. Même quand il apparaît à Oyo, ça vient de lui. Ata pale inaonekana kuoyo, inatoka ni ndani yake. Pendant toutes ces années, miaka yote hii, je le voilé. Nilimufunika ndani yangu. Dans mon cœur. Ndani ya moyo yangu. Christ. Christo. Cette même nguzo ya moto moja moja hii. Maintenant vous pouvez comprendre. Sasa hapo unaweza kuelewa. Le 28 février. Asema mutarela le 28 février. Cela est venu de là où j'étais. Ilitokia fwashi le niri kuyaka. Et qu'est-ce qui se passe dans Genèse? Na kumwanzo nini napitikana? La vapeur vient de la terre. Mvuke inatoka pabudongo. C'était le type de la niwe. Ilikuwa ni mfano ya wingo. Cela vient de la terre. Mvuke ile inatoka ni pabulongo. La terre c'est frère Branham. Bulongo ni nduku Branham. Qui peut dire amen? Sema amina. Donc, dis à ton ami ceci. Mweleze rafiki yako hivi kupembeni. Cette niwe photographiée était venue de frère Branham. Hii wingo banachukua picha ilitokea ni ndani ya nduku Branham. Je peux attendre un amen. C'est ma amina. Même si c'est dur, dis amen. Atakamani bianguvu. Eh, c'est ma paka amina. Dit amen très fort. C'est ma amina nguvu sana zaidi. Cela est venu. Il est iritoke andani andugu Branham. Et si la Genèse c'est le septième saut. Na kama mwanzo ni muri wa saba. Alors il est sorti de frère Branham pour faire quelque chose. Asa alitoka ndani ya ndugu Branham njo kufanya kitu moja. Pour que le Dieu ne demeure pas seulement le Dieu de frère Branham. Ju Mungu ashibakie paka Mungu wa ndugu Branham ye mwenyewe. Pour que toi aussi tu sois à. Ju na we pia bakumimie. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors soyez à aussi. Basi bakumimiwa kabisa. Amina. Amina. Hey. Alors frère, Duku. Dieu, Mungu, dans son programme, ndani ya mapo yake, il t'avait vu même ce soir. Alikuona kata mangaribi aleo Mungu alikuwa ashakukuona.
Il savait que toi tu vas dire amen. Arijua kasema wote asema paka amina. Et le 28 février c'est le mariage. Na 28 février nindoa. Dieu confirma sa parole. Mungu aliye akikisha neno lake. Paragraphe 236. Kifungu yake ya 236. Ah, le prêcher le 16 avril 64. Il alihubiri mutare. 16-8. Ya 16-8-64. Il dit ceci. Anasema hivi. 236. Maintenant souvenez-vous. Sasa kumbukeni. Ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham. Aikukwaka Yesu la kwaka nasema kwa Ibrahimu. Et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui? Na ula liweza kufafanua mawazo ya Sara ula alikuwa nyuma yake. Ce n'était pas Jésus. Haikuku yake Yesu. Il n'était pas encore né. Yesu ile wakati alikuwa shiazarika. Est-ce que quelqu'un dit amen amen? Yesu sema amina 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 amina. Mais kwa lakini c'était un homme. Ilikuwa kani mtu. Dans une chair humaine. Mwili ya mtu. Abraham appela Elohim. Ule Ibrahim alitaka Elohim. Le grand tout puissant. Ule mwenye enzi mkubwa kabisa. Et Jésus a dit. Na Yesu alisema. Ce qui arriva du temps de Sodome. Mambo lifika muwakati wa Sodoma. Suivez attentivement. Fateni kwa makini hapa sasa. Du temps de Sodome. Muwakati wa Sodoma. Arrivera de même. Ile mambo itafika paka vile tena. A la venue du fils de l'homme. Wa ujio ya mwana wa mtu. Quand le fils de l'homme wakati ile mwana wa mtu sera révélé atafunuliwa. Ça ne sera plus en tant qu'église. Haitakuwa tena sa vile kanisa. Vous voyez? Unaona? Ça ne sera plus le cas. Haitakuwa tena vile. L'épouse est appelée. Bibi arusi anaitwa. Vous voyez? Ukunaelewa? En ce jour-là ile siku ile le fils de l'homme ule mwana wa mtu sera révélé atafunuliwa. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Pour lier l'église à la tête. Kwa ajili ya kuunganisha kanisa kukichwa. Unir le mariage de l'épouse. Kuunganisha ndoa ya bibi arusi. L'appel de l'époux. Muito ya bwana arusi. Retentira. Itaria. Juste à travers ceci. Kupitia tu hii. Quand le fils de l'homme. Kwani mwana wa mtu. Descendra. Wakati la tachuka. Viendra. Na takuya. Dans la chair humaine. Ndani ya mwili ya mtu. Pour unir. Kwa ajili ya kuunganisha. Les deux. Bade bawiri. Ensemble. Pamoja. L'église. Kanisa. Doit devenir la parole. Inapashwa kuwa neno. Il est la parole. Yeye eko neno. Et les deux. Na bote bawiri. Sinus. Banaungana. Pour faire cela. Kwa ajili ya kufanya ile. Il faudra. Itatakiwa. La manifestation. Naonekanisho. De la révélation. Ya ufunuo. Du fils de l'homme. Ya ule mwana wa mtu. Apana mchungaji. Je ne sais pas. Sijue. Comprenez-vous ce que je veux dire? Munaelewa hiki mimi natafuta kusema. Apana mchungaji. Vous voyez? Unaelewa? Il s'agit. Inaangalia. Du fils de l'homme. Ule mwana wa mtu. Jésus Christ. Yesu Kristo. Il descendra. Mwenye atachuka. Dans la chair. Ndani ya mwili ya mtu. Parmi nous. Katikati yetu. Et rendra sa parole. Na atakuisha neno yake. Si réel. Ya kweli kabisa. Que cela unira. Ile kipimo ile taunganisha. L'église. Kanisa. Et lui. Na yeye. Kama une seule personne. Kama mtu huyu moya. L'épouse. Bibi arusi. Et ensuite. Tena. Elle ira. Ataenda. À la maison. Kunyumba. Pour le souper de noces. Kwa ajili ya karamu ya ndoa. Branham dit amen. Branham anasema amina. Elle est déjà unie. Bibi arusi alisha ungana naye zamani. Unaona? Nous allons. Tuko naenda. Au souper de noces. Kufeti ya ndoa. Pas au mariage. Atuende kundoa. Les noces de l'agneau sont venues. Karamu ya ndoa inakuya. Qui peut dire alléluia? Alléluia. Dis à ton ami. Mweleze rafiki yako.
Quand la tête est venue, wakati kichwa kinakuya, le mariage a eu lieu. Ndoa inafanishika. Et cette niwe, c'est la venue de la tête. Na hii wingo ni ujio ya kichwa. Suivez. Fuata. Celui qui était devant Abraham, ce n'était pas Jésus. Ule alikuyaka mbele ya Ibrahimu, haikukuwaka Yesu. Jésus n'était pas encore né. Yesu alikuwaka shiazarika ile wakati. Mais le fils de l'homme manifesté ule mwana mutu alionekana dans les derniers jours mumashiku ya mwisho aura pour mission atakuwa na kazi unir la tête du corps ya kuunganisha kichwa na mwili. Et c'est ce que Branham explique. Na njole Branham yako nafasilia. En réalité, ukweli, toutes ces années Branham avait voilé la colonne de feu. Ii miaka yote Branham yakosha kufichika nguzo ya moto ndani yake. Et le fils de l'homme avait commencé à se manifester avant 63. Na mwana wa mutu alianza kujionekanisha mbele hata ya mwaka wa 63. Là ce n'est pas encore Jésus. Ile bado haija kwa Yesu. C'est seulement Elohim. Ule ni Elohim tu dans un homme. Ndani ya mtu. Parce que frère Branham a voilé la colonne de feu. Branham alifuchika nguzo ya moto ndani yake. Et cette colonne de feu guidait frère Branham à chaque étape. Na, ile nguzo ya moto ilikuwa inaongoza ndugu Branham mkila atua ya Branham anasema c'est déjà arrivé. Ile mambo ilishafika. Elohim dans Branham a été manifesté avant 63. Elohim ndani ya Branham alionekana mbele ya mwaka wa 63. Mais en 63. Lakini mu mwaka wa 63 c'est alors que Branham vomit la tête. Ndio pale Branham anatapika kichwa. Et la tête monte. Na kile kichwa kinapanda. On prend des photos. Bala kichukua picha. Et le mariage a eu lieu. Na ndoa inafanishika. Jésus. Yesu. De Nazareth. Wa Nazareti. Et déjà uni. Alisha ungana zamani. Le mariage a déjà eu lieu. Ndo, alisha fanisika zamani. Ils sont devenus un dans l'épouse. Balisha kuya mumoja ndani ya bibi harusi. Dans leur unité, c'est l'épouse qui est visible. Mana yake mwile umoja yabo ule uko naonekana ni bibi harusi. Pourtant c'est l'époux qui agit. Ile wakati ni bwana harusi njoko na tenda ndani ya bibi harusi. Mais le visible est rendu, l'invisible est rendu visible. Ule washipokonekana banamuonekanisha. Par le matériel qu'il a fait le septième jour. Kupitia udongo ile alifanyaka ile siku ya saba. Qui peut dire amen? Sema amen. Dis à ton ami, nous n'allons pas au mariage. Umeleze rafiki yako asema shaba, atuende tena kundoa. Le mariage a déjà eu lieu. Ndoa ishapita, ilishafanishika. La tête et le corps. Kichwa na mwili bilisha ungana zamani. Jésus est déjà venu. Yesu arisha kuya. Et c'est la fin. Na ni mwisho. Laisse-moi terminer quelque chose. Acha nimalize kitu moja. Le 28 février, tarehe 28 mwezi wa pili, ont été annoncés. Baritangazaka. Les appelés à sortir, paragraphe 18. Walio itwa kwa ajili ya kutoka kifungo yake ya 18. Prêcher le 9 janvier 58. Yam tare atisa mwezi wa kwanza mwaka 58. Paragraphe 18. Kifungu ya 18. Observez la nature de cet ange. Chunguzeni asili ya huyu malaika. Apportant les derniers messages avant la destruction. Mwenye analeta ujumbe ya mwisho mbele ya kuteketezwa. Il a dit Abraham, je vais tenir ma promesse envers toi. Asema Ibrahim, utaheshimia malako yangu mbele yako. J'aime ça. Napendaka hii. C'est le Dieu de notre père. Huyu ndio Mungu wa baba yetu. Je vais tenir ma promesse envers toi. Utaheshimia malako yangu mbele yako. Juste au temps de la vie. Wakati tu ya uzima. Au temps de la vie. Wakati ya uzima. Pratiquement dans les prochains 28 jours. Kabisa kabisa mwile masiku 28 leko nafuata. Je vous visiterai. Takutembelea. Et dans la fête des trompettes, il répète la même chose. Na mukaramu ya palapanda anasema ile mambo moya moya. Paragraphe 78. Kifungu yake 78 anasema pronom personnel. Mimi je te visiterai selon ma promesse. Au temps de la vie. Mu wakati ya uzima. Les prochains 28 jours. Ile masiku 28 ile kunafuata. Quelque chose va arriver à Sarah. Kitu moja kitafikia Sarah. Or, les 28 jours, c'est le cycle normal de la vie. Ijapo ile masiku 28 ni kiviringo kizima. Je ne parle pas d'une femme perturbée. Mie siseme ole mwanamke anakuwa na inabidi kumhangaisha kabisa mvruko. Mais le cycle normal. Lakini ile kiviringo
C'est le cycle de 28 jours. Nikivringo ya masiku shina nani. Elohim dit. Na Elohim anasema. Au temps de la vie. Mwile wakati ya uzima. Le prochain 28. Ile masiku 28 kunafuata. Or les 28 jours. Ijapo ile masiku 28. Dans le cycle normal. Mu ile kivringo ya sawa. Quand ça arrive au 14e jour. Wakati nafika kusiku ya 14. Ah là ça rate pas. Ah pale ailusaki. C'est la raison pour laquelle. Kwa ile sababu, pour la Pâque. Kwa ajili ya Pasaka, l'agneau était gardé pendant 14 jours. Mwana kondoba alimchunga masiku 14. C'est le 14e jour. Ni kwa ile siku ya 14. Que la vie est entrée à l'église. Jo uzima ilingia mkanisa. Et dans les zodiaques. Na mumasayari. Lorsque le soleil. Wakati jua. S'approche vers un autre planète. Inakaribia sayari ingine. C'est ce qu'il est en train de faire dans ce cycle là. Ni ile eko nafanya mule kiviringo. C'est à 30 degrés. Ni ku degré salasini. Lorsque le soleil va vers une autre planète. Wakati jua nenda kusayari ingine. Cette rotation se fait à 30 degrés. Kule kuzunguluka kuna fanizika ku degré. Qui signifie 30 salasini. Maana yake masiku salasini. Et pendant ce temps de rotation. Na mui wakati ya kuzunguluka hii. La lune qui est la dame. Mwenzi mwenye anakuwa bibi. Fait aussi 4 phases. Na yeye anafanya bipande bine. De 7 degrés. Bia ma degré saba. Qui sort le 28e jour. Yenye inatosha ile siku ya 28. Même dans le zodiac. Atima ata mu zodiaki. Le 28e jour a été prononcé. Ile siku ya 28 balita mu zodiaki. Et Dieu devant Abraham. Na Mungu mbele Ibrahim. A parlé de prochainement. Alisema kwa ajili ya ile siku itafuata. Je viendrai encore. Asa ntarudia tena. Pronom personnel. Ile msema kujitana nayo. Na ndugu Branham anasema. Il parlait des prochains 28. Alikuwa anasemea kwa ajili ya ile siku 28 kunakuja. Dans le 28 février. Kwa ajili ya tarehe 28. C'est la raison pour laquelle cette photo du 28 février Dieu permet que le journal qui le publie soit le journal, le magazine Life. Ni gazette Life. Donc c'est le temps de la vie. Ni manake njo wakati ya uzima hii. Elohim avait dit Elohim alisemaka, au temps de la vie wakati ya uzima. Moi-même mimi nyewe je viendrai mintakuya na Sara aura un fils atazala mtoto mwanaume le 28 février ichapo mutaria 28 mwezi wa pili ile scripture ni ya kiroho depuis le zodiac tangia muzodiaki même dans cette bible hata mu biblia avec l'interprétation de William Branham utafsiri ya William Branham c'est parfait ni iko kamilifu kabisa ile magazine on dit na gazette ilisema look life look life. Regarde tazama la vie. Uzima. Est-ce que tout le monde peut eti mwebote mnaweza kutazama? Si vous regardez. Kama unatazama, c'est le temps de la vie. Ni wakati ya uzima. Regardez et vivez. Tazama na ishi. Vivez. Ishi. Vivez. Ishi. Même si il y avait des problèmes. Ataka kama kulikuwa matatizo. Regardez et vivez. We tazama na uishi. Même si il y avait n'importe quoi. Ataka kama kulikuwa magumu fulani. Regardez. Tazama na uishi. Alors je lis la dernière fois. Sasa mimi nasoma andiko ya mwisho. Est-ce que vous êtes prêts? Et tu ko tayari? Est-ce que vous êtes prêts? Et uko tayari? Soyez prêts. Kwa tayari? Oh, soyez même debout. Shimama na kuomba ushimame. La foi c'est une ferme assurance. Imani ni hakikisho ya tele. Paragraphe 36. Kifungu yake 36. Ndoko Branham anasema hivi. Pendant que nous gémissons. Mu wakati ile tuko na ugua. Voilà. Benye kufunikwa. Dans ce tabernacle d'humiliation. Ndani ya hii maskani ya kupatishana haya. Nous avons le gage de notre parfaite et complète rédemption. Tuko na hakikisho ya ukombozi yetu ya tele na ukamilifu. Pour redevenir comme au commencement. Kwa ajili ya kururia tuwe kama kule mwanzo. Quand Dieu a créé Adam. Wakati ile Mungu aliumba Adam. Dans le jardin d'Eden. Mu bustani ya Edeni. Nous avons un avant-goût de la gloire divine. Tuko na ile onjo ya utukufu ya Mungu. Écoutez, Skiliza. Les rafraîchissements ou burudiko venant de la présence de Dieu. Ilio kuya mwenye kutokea muwepo wa Mungu. Vous savez que cette nuit c'est la présence de Dieu. Unajua kwamba hii wingo ni uwepo wa Mungu. Cela nous donne les rafraîchissements. Ina tupatia uburudiko. Pour arroser l'église. Kwa ajili ya kumimia kanisa. Pour la faire croître dans la grâce.
grâces. Et quand nous tombons malades, nous avons la rédemption. La bénédiction. Les attributs de la mort de Christ. La guérison divine. Et pour nous un signe avant coureur. Et un jour, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Voilà, oui, oui, amen. Dio, dio, amen. Oh, c'est merveilleux. Bien, il est ici. Eko apa. Pour l'accomplir. Kwa ajili ya kuitimiza. Et frère Branham dit gloire. Na masema utukufu. Il est ici. Eko apa. Il n'est pas venu faire des courses. Ashikwa kupumzika. Les courses. Ashikwa kuzunguluka zunguluka. Il est venu pour un but. Alikuja kwa ajili ya kazi fulani. C'est pour t'arroser. Ni kwa ajili ya kukumimbia. Alors soyez arrosés. Basi pokea kumimiwa. Là où ça avait séché. Fasi ile parikauka. Soyez arrosés. Pokea maji. Montre-moi tes mains. Unyoneshe mikono yako. Que le Saint-Esprit, la présence. Roho Mtakatifu uwepo. Il est touche à tes mains. Iguse mikono pour yako. Enlever la sécheresse. Kwa ajili ya kuondoa kukauka. Kwa ajili ya kuondoa. Pour enlever tout ce qui est sec. Qui peut dire amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Soyez arrosé. Pokea kumimiwa. Recevez les rafraîchissements. Pokea mauburudiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Heureux 28 février. Mwenye heri 28 février. Amenez cette fête. Peleka hii karamu. Dans la maison. Munyumba yako. Dans la famille. Mufamilia yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki, 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 akubariki. Si tu es malade. Kama uko mgonjwa. Soyez guéri. Pona hapa sasa. Si tu as des problèmes. Kama uko na matatizo. Ayez la solution. Pokea suluhisho. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Soyez rafraîchi. Weko mbolewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Merci. Accenti. Oh, acclamez-le. Et piquez-le comme vous falmez, va falmez. Piquez-le comme vous falmez, va falmez. Piquez-le, piquez-le, piquez-le. Mouluke, mouluke, mouluke. Oh, tu couvres quoi, Mungu? Oh, tu couvres quoi, Mungu? Amina, amina, amina. Alléluia. Amina, amina, amina. Amina, amina, amina. Amina, amina. Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Moi, j'abandonne.
Jésus. C'est ma grande prière. J'abandonne tout entre tes mains. En cette journée de 28 février, toi la grande présence, les surnaturels, les dieux vivants, les dieux de la Bible, viens. Viens arroser, Seigneur. Toi, la vapeur de la jeunesse. Seigneur, viens. L'ange remarquable. Les rocs blancs. Seigneur Jésus. Les dieux tout-puissants. Viens dans la vie de mon frère. Viens dans la vie de ma sœur. Viens arroser, Père. Que la sécheresse soit partie. Que les ténèbres soient parties. Que la stérilité soit partie. Que la vieillerie soit partie. La fraîcheur vient. Dans les rafraîchissements, viens. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, la grande présence. Viens. Viens. Viens, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur. Que tous les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes trouvent la solution. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, change les choses dans la vie de tes enfants, dans leurs affaires. Que ce soit ici, que ce soit à Niue, que ce soit à travers le monde. Tous ceux qui sont en train de suivre, maintenant, oh Dieu, que cette onction spéciale, touche, élève, bénisse, pardonne, place, positionne. Merci pour toutes choses. Reçois l'honneur, à toi la gloire, à toi les acclamations. Au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci pour le septième saut. Merci pour William Branham. Merci Jésus pour le 28 février. Que cette bénédiction, cette richesse, cette onction nous accompagne. Puisse nous libérer, nous délivrer en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que cette onction, cette paix vous accompagne. Soyez rafraîchis. Soyez arrosés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salama. Bonne fête. Nakaram chema. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors que le panier d'offrande est en train de passer, nous allons encore nous retrouver ici le vendredi. Il y a des réunions qui sont organisées dans la ville.